Bienvenue dans cette émission Espoir. Quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Cette émission est encore là pour vous donner l'espoir à un avenir meilleur, à un futur proche, à un futur glorieux. Alors j'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. On reçoit vos messages. Vos messages nous font du bien parce que cette émission vous bénit, cette émission vous encourage, ça vous motive, ça motive certains. Il y a certaines personnes qui sont là assises, ils attendent que cette émission justement pour entendre une parole du Seigneur. Et ça nous fait plaisir de pouvoir le faire. Si je le fais, c'est vraiment de tout cœur. C'est parce que Dieu a déclaré que dans ce temps, il s'est choisi des personnes concrètes pour que nous puissions réellement divulguer le message de Dieu, que nous puissions faire le propheta, parler de la part du Seigneur. Alors, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec la servante de Dieu, la chanteuse grâce. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Comment ça va? Amen, merci Seigneur, mais ça va très bien. Tant que Dieu est assis sur le trône, tout va bien. Cette belle année 2020 qui se termine, tout va bien. Le Seigneur est là, Dieu est dans la barque. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans dans lesquels nous sommes ou dans lesquels tu es, tout va bien parce que Dieu est là. Yes, tout va bien parce que Dieu est là et Dieu continue de travailler dans nos vies. Et c'est pour ça que je crois que cette année a été quand même assez, il y a eu beaucoup de tumulte. Mais je crois que si nous sommes là, c'est que nous sommes des survivants, nous sommes réellement invincibles. Nous sommes invincibles face aux situations de la vie. J'aimerais donc te dire que tu es donc invincible. Alors nous sommes le réveil des nations internationales, nous avons des campus partout dans le monde. Et nous sommes ici en Guadeloupe aussi pour vous servir. Alors notre slogan qu'on aime bien, c'est que nous ne croyons pas en une religion quelconque. Mais l'amour est notre religion. Nous ne croyons pas une religion, etc. L'amour est notre religion. La Bible déclare, comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas les personnes à côté de toi? Comment tu prétends louer Dieu, adorer le Seigneur si tu n'aimes pas les personnes que tu vois même, alors que tu adores un Dieu que tu ne vois pas? Il est important. Nous, dans notre église, quand tu arrives, bien-aimé dans le Seigneur, on manifeste l'amour du Seigneur. Pas seulement par les paroles, mais aussi par les actions, par les actes. Alors justement, dans cette série, demain, nous avons un culte à partir de 10h, nous sommes situés au 13 Zac du Gazon de Bourgogne, à Petit Pérou, les Abîmes. Pour plus d'informations, vous avez juste à contacter le 06 90 le 52 97 63 ou encore le 06 90 00 82 76. Alors vous allez recevoir toutes les informations. Donc demain, nous avons que l'on va recevoir déjà l'onction d'accélération. Donc dimanche 27 décembre, le dernier dimanche de l'année 2020, nous voulons que Dieu accélère les choses dans nos vies. Oh, hallelujah. Que Dieu accélère les choses dans tout ce que nous avons, dans nos vies, dans nos cœurs, peu importe. Et la Bible justement dit dans le passage, l'Éternel, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et qui courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction d'accélération, c'est une onction qui fonce. Quand ça descend sur toi, ce que tu n'as pas eu depuis longtemps, tu l'as en accéléré. Ce que les autres ont eu en 6 ans, toi tu l'auras en 6 jours. Ce que les autres ont, ça a pris 3 mois, ça a pris 10 ans pour certains, toi tu peux l'avoir en 10 heures. Toi, tu peux bien aimer l'onction d'accélération. C'est cette onction que nous avons besoin avant de rentrer dans cette nouvelle année. Tu as besoin de l'onction d'accélération dans ta vie. Nous avons tous besoin de cette onction d'accélération. Il y a certaines personnes, à chaque fois que nous prêchons ce message, il y a certaines personnes, des dossiers qui attendent depuis longtemps, les dossiers que tu as déposés depuis tellement d'années. Quand cette onction descend sur ta vie, les choses commencent à s'accélérer. Même si ton dossier était en bas de la file, on le met maintenant au-dessus de la file. Alors, tu as besoin de cette onction d'accélération. Donc, sous la même lancée, demain, c'est le dimanche des baptêmes. Bien-aimé, je suis tellement content. Dimanche, c'est le dimanche des baptêmes où nous avons débaptisé. Nous avons pas mal de baptisés. Je crois que nous avons une quinzaine de baptisés, de personnes qui se baptisent demain. Bien-aimé, demain, ça va être un temps glorieux. Il y a Dieu où le ciel va être ouvert demain. La Bible dit que quand quelqu'un rentre dans les eaux du baptême, c'est différent. Il y a la joie au ciel. Les anges sont là en train de chanter. Ils sont là en train de célébrer. Donc, dimanche des baptêmes, vraiment, c'est un dimanche que j'affectionne particulièrement parce que c'est un dimanche où les gens décident
décides d'entrer dans les eaux du baptême et ressortir. Alors il n'est pas trop tard, toi qui es en train de nous regarder, si tu as encore envie de te faire baptiser et que tu doutes encore en disant « je ne sais pas si je suis saint, je ne sais pas si je suis pur », bien, mais Dieu ne cherche pas les personnes pures pour se faire baptiser. Il ne cherche pas les personnes saintes pour se faire baptiser. Au contraire, Dieu n'appelle jamais les qualifiés, mais il qualifie les appelés. C'est vraiment de Dieu par rapport au baptême. On a beaucoup de baptêmes demain. Tu as entendu parler de ça? Yes. Donc, beaucoup de personnes ont compris qu'est-ce que le baptême. Le baptême, c'est enterrer le vieil homme. Et la Bible dit, allez, faites de, tout les, de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-les. Yes. N'attends pas de connaître trop la parole avant de te faire baptiser. Fais-toi baptiser. Tu enterres le vieil homme et ensuite la nouvelle créature, la nouvelle personne que tu vas devenir pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Et je crois que c'est vraiment une grâce parce que beaucoup de personnes effectivement sont dans ce débat-là à savoir, mais je ne connais pas assez la parole, mais je ne sais pas encore si je dois le faire, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas au même niveau que les autres. Mais en fait, Dieu n'a jamais, ne t'a jamais demandé d'être au même niveau que les autres. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est simple, c'est de venir, de prendre, d'obéir déjà. Exact. Une fois que tu as obéi, la Bible dit baptisez-les. Donc allez, faites de toutes les nations, donc baptisez-les et ensuite signez-les. Ça veut dire qu'une fois que tu enterres réellement le vieil homme, on te fait rentrer dans l'eau. Et que quand tu ressors de cette eau, l'ancienne personne reste dans l'eau. Et tu ressors, tu sors une nouvelle créature. Maintenant, tu commences à être enseigné par la parole du Seigneur. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Tu peux te décider de te faire baptiser. Donc, j'expliquais encore même dimanche que c'est les objections que les gens se disent souvent en disant que je ne suis pas assez bien. Je n'ai pas le Saint-Esprit encore en moi. Je n'ai pas... Tout ça, ce sont des excuses que les gens mettent autour pour ne pas se faire baptiser. Il y a plusieurs, combien de personnes aujourd'hui sont dans l'église et ils ne se sont pas fait baptiser parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas assez saints pour se faire baptiser. Mais attends une seconde. Quel est cet évangile en fait où Dieu, où, quelle Bible déclare que Dieu cherche seulement les saints? Quelle Bible déclare que Dieu cherche les personnes pures? En tout cas, moi, je ne l'ai jamais lu dans la Bible. Et ce sont vraiment des idées reçues en fait. Parce que, en fait, lorsque tu es d'abord trop enseigné avant de te faire baptiser, la vérité, c'est que quand on te baptise, le vieil homme et les enseignements partent aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se font baptiser et qui repartent. Parce qu'en fait, fais-toi baptiser. Lorsque Dieu a dépêché Philippe pour faire baptiser l'Eunuque, l'Eunuque ne connaissait rien à la parole. Il avait juste lu un passage. Et il a dit à Philippe, mais regarde, il y a un peu d'eau là. Est-ce que c'est pas... Philippe lui a dit oui. Et il s'est fait baptiser. Là, et c'est là qu'on voit la rapidité à laquelle la personne a cru, elle a accepté Jésus et elle s'est fait baptiser. Et ça, c'est le meilleur processus. Et si tu nous écoutes aujourd'hui, si tu crois en Dieu et si tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel, n'hésite pas à te faire baptiser. N'hésite pas à te faire baptiser par immersion, c'est-à-dire enterrer, c'est-à-dire tout ton corps plonge, on te plonge dans l'eau pour enterrer le vieil homme et pour que tu sois une personne nouvelle afin de recevoir les enseignements adéquats pour ta marche et pour ta vie spirituelle. Bien entendu. Et c'est pour ça justement que je crois que ce que nous sommes en train de dire est important parce qu'on est rentré dans, dans tellement de doctrines où les personnes attendent. Ils attendent. Yes. Mais le baptême n'a jamais été donné pour identifier les chrétiens, pour dire que toi tu es chrétien, toi tu n'es pas chrétien, toi tu es... Le baptême, c'est une puissance. Une puissance tellement céleste que quand tu comprends ça, tu ne vas pas... En fait, ce n'est pas une option, le baptême. C'est une nécessité pour ta vie chrétienne. Vois-tu dans la parole de Dieu, pendant 30 années, Jésus n'avait fait aucun miracle. Pendant 30 ans, il était sur la terre. D'ailleurs, on ne sait pas où est-ce qu'il était. On observe seulement à 12 ans, pendant qu'il était dans le temple, il était en train d'enseigner. Mais il n'a fait aucun miracle. Il n'a guéri aucune personne, guéri aucun malade. Rien en 30 années. Jusqu'à lui-même, il se rend compte qu'écoute, j'ai l'enseignement, j'ai tout ce qu'il faut, mais il me manque quelque chose. J'ai tout l'enseignement qu'il faut, jusqu'à... J'enseigne même les sacrificateurs qui sont dans le temple. Je me permets de les enseigner. J'ai tout ça comme connaissance, mais il me manque une chose. Il me manque cette puissance-là. Il va voir donc son cousin Jean-Baptiste, son cousin éloigné, qui est 6 mois plus grand que lui. Il dit à Jean-Baptiste, hey, écoute Jean-Baptiste, je viens à l'église de mes parents depuis longtemps, mais je n'arrive à faire aucun miracle.
Et c'est là où Jean baptise dans le baptise. Et la Bible déclare quand Jésus s'est fait baptiser. La Bible dit il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau, premier point. La Bible déclare que le ciel s'ouvrit. Et tu dois comprendre que c'est quand tu te baptises en fait que le ciel s'ouvre. Bien si sûr. Jésus qui est Jésus, c'est quand il s'est fait baptiser que le ciel, c'est que son ciel à lui, hein, s'est ouvert. Donc ton ciel à toi, le ciel de ta vie s'ouvrira lorsque tu te feras baptiser. Puisque le baptême est une décision personnelle. Le baptême, c'est que tu décides de dire au ciel, à l'enfer, à tes amis, à tes proches, attention. Ma vie change, je deviens une nouvelle personne. Et voilà le témoignage de ma résurrection en Christ. Bien sûr. Et le baptême, c'est même une preuve que tu n'as pas honte de Dieu. C'est une preuve que tu n'as pas honte du Seigneur. C'est une preuve que tu n'as pas honte de dire que tu es croyant. Et puis quand tu dis ça, bien-aimé, son ciel s'est ouvert. Ça veut dire que bien-aimé, pendant tout ce temps, son ciel était fermé. C'est pour ça qu'il n'avait fait aucun miracle. Et quand la Bible dit il est sorti de l'eau, déjà la délivrance, son ciel s'est ouvert. La Bible dit il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et comme j'ai l'habitude de dire, ça c'est une révélation sur le baptême, l'esprit est invisible. Ça veut dire qu'en fait, Jésus n'arrivait pas à voir l'invisible. Et une déclaration que j'aime souvent faire dans mes prédications, c'est que celui qui voit l'invisible peut accomplir l'impossible. Celui qui voit l'invisible est capable d'accomplir l'impossible. Donc, que Jésus, il fallait qu'il voie l'invisible. Et quatrième révélation, c'est que Dieu dit, c'est la première fois en 30 années que Dieu parle avec son fils à audible, oralement. Et Dieu lui dit, écoute, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que pendant 30 années, Dieu passait par des gens pour parler à son fils. Il passait par des signes pour parler à son fils. Mais le jour de son baptême, il lui a parlé directement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça qu'on parle de ça. Et je crois que les émissions de cette fin d'année, c'est pas forcément pour te donner forcément de la nouvelle matière, mais c'est pour te donner des bases. La base réellement, c'est ce baptême-là. Je ne suis pas en train de te mettre une pression quelconque, je suis en train de t'enseigner afin que tu puisses prendre la décision. Malheureusement, les décisions, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Et comme dans la vie, nous sommes la somme de nos choix, il est important que tu prennes une décision. Parce que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Ça veut dire que c'est à toi de prendre la décision, donc de pouvoir changer ta vie. C'est pour ça que nous parlons donc du baptême. Le baptême, c'est une puissance. Et il y a plusieurs personnes aussi qui ont décidé de se faire rebaptiser parce que il fallait que je l'enseigne aussi dimanche. Je lui ai dit que le rebaptême est biblique. Le fait de se rebaptiser, c'est biblique. Paul vient, il rencontre des personnes, il leur dit, écoute, vous avez été mal enseigné. Vous avez été mal, vous avez pris le baptême seulement pour prendre le baptême. Vous avez été mal enseigné. Il est important pour vous que je vous rebaptise. Et Paul les a rebaptisés avec le nouvel enseignement. Ça veut dire que si tu as reçu quelque chose et que tu n'es pas convaincu de ça, tu peux te rebaptiser. C'est pour ça justement que Dieu n'a jamais dit que le baptême c'est qu'on verse de l'eau sur la tête, qu'on va te verser un peu d'eau sur la tête et c'est comme ça que tu seras baptisé. Pas du tout. La Bible déclare que voici, on doit être à l'image de Jésus. Jésus est venu montrer l'exemple. Cet exemple, tu dois te faire baptiser comme lui aussi s'est fait baptiser. Donc par immersion. Donc baptême veut dire baptise, baptizo qui veut dire immersion. Donc on t'immerge dans l'eau et on te fait ressortir. Bien-aimé dans le Seigneur, demain les personnes qui vont se faire baptiser, c'est extraordinaire. À chaque fois que je baptise des personnes, bien-aimé, mon cœur est dans la joie. Parce que ces personnes ont pris la décision d'oublier tout ce qu'on leur a dit, la décision de mettre leur honte de côté, de mettre leurs aspirations de côté, d'obéir à la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand tu obéis à la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais quand même qu'on puisse mettre cette vidéo-là qui montre à peu près le baptême, comment nous le faisons, comment nous l'implémentons et comment le baptême, c'est une puissance quand on te baptise les choses se passe réellement. Your word, Lord, it feeds my soul. This is my daily bread. Hallelujah. Your very word. Your very word.
lift your hands wherever you're tonight. And I say, and I, Father, I'm desperate for you. I'm desperate for you. As the deep breaths for the water, so my soul longs for you. And I, le baptême, c'est une puissance. Ça veut dire que, bien aimé, toi qui es en train de réfléchir, tu réfléchis à savoir est-ce que, ne réfléchis pas. Voici la fin d'année qui arrive, voici 2020 qui est passé, tu es un survivant, tu es encore vivant. N'attends pas demain, n'espère pas demain, ne procrastine pas, mais n'arrête pas de, tu remets à demain ce que tu peux faire maintenant. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas être en vie en 2021? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas être vivant la semaine prochaine? Qu'est-ce qui te garantit? Même certaines personnes procrastinent parce qu'ils pensent qu'ils ont tout leur temps. Ils pensent qu'ils ont le temps de tout faire. Tu crois que tu as le temps. Mais qu'est-ce qui te garantit que tu seras vivant la semaine prochaine? Qu'est-ce qui te garantit que tu seras vivante lundi? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas même tenir le mois de janvier? Mais fais ce que tu dois faire maintenant. N'attends pas à demain. Fais ce que tu dois faire. C'est pour ça que je t'encourage et je te suggère à le faire. Si tu veux, je m'en prends le coup de téléphone. Tu appelles en disant que moi aussi, il y a encore de la place pour te faire baptiser. Ils vont le faire avec Action de Grâce. Il y aura toute une communauté qui sera là pour te bénir, pour prier pour toi et pour te saluer, pour t'acclamer dans ce temps de baptême, très important. Alors, pour cette fin d'année, nous avons le 31. Le 31, nous avons la nuit de la traversée. Alors justement, vous allez recevoir, voir l'image à l'écran. La nuit de la traversée, c'est la passation de 2020 à 2021. Donc la nuit de la traversée, c'est une nuit où nous partageons sur la parole de Dieu. Nous faisons des déclarations, il y a des témoignages, nous chantons à la gloire du Seigneur. Alors justement, ce sera de 21h. Alors c'est marqué 1h du matin, mais nous allons terminer certainement un petit peu avant pour donner l'occasion à tout le monde de pouvoir justement rentrer ou bien aller, etc. Dès que nous passons, nous faisons les déclarations, nous allons terminer un petit peu avant une heure. Donc de 21h jusqu'à une heure à peu près, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons déclarer, nous allons prophétiser, bien aimé dans le Seigneur. La nouvelle année sera une année de grâce, une année de puissance. Il y aura des célébrations. Amen. Et surtout, il y aura des témoignages. C'est vrai, de Dieu, on a eu pas mal de témoignages cette année quand même. Amen. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse faire plus de témoignages. Et si on a eu pas mal de témoignages. Oh yes. On a eu beaucoup de témoignages, mais il y a quelque chose qui est vraiment sur mon cœur, pasteur, par rapport au baptême. Il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est en train de se dire, mais j'ai baptisé mes enfants quand ils étaient petits. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que j'ai fait mal? Tout ce que je veux te dire, c'est que nous ne sommes pas là pour te condamner ni pour te critiquer. Seulement, le baptême doit être une décision. Si effectivement tu as baptisé ton enfant quand il était petit, tu ne savais pas, tu étais dans l'ignorance, mais ton enfant doit accepter Jésus afin qu'il prenne la décision lui-même de se faire baptiser. Et tu es peut-être là aussi et tu te dis, mais mes parents m'ont baptisé quand j'étais petite, mes parents m'ont baptisé quand j'étais petit. Ce baptême-là devant Dieu, en fait, il ne compte pas. Mais on ne te condamne pas, on ne te critique pas. On te dit juste que nous devons marcher à l'image de Christ.
Christ, quand il était petit, Marie et Joseph n'ont pas versé de l'eau sur sa tête. On l'a présenté, mais on n'a pas versé de l'eau sur sa tête. Par contre, quand il a grandi, il a pris la décision de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc, sois encouragé et prends la bonne décision. Et si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Je suis d'accord justement par rapport à ça, servant de Dieu. Et tu reviens sur un bon point, par exemple, parce que effectivement, les enfants, on ne les baptise pas, on les présente au Seigneur. On les présente, effectivement. Et beaucoup de personnes l'ont fait de même en disant que moi, on m'a fait. Ce n'est pas une condamnation que nous sommes en train de te faire, comme tu l'as dit, servant de Dieu. C'est juste, nous t'apportons la connaissance maintenant. C'est que, et c'est une décision personnelle. On appelle ça le libre arbitre. En fait, tu ne peux pas pousser quelqu'un à se faire baptiser. La décision doit venir de ton cœur. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et une fois que tu l'as fait, maintenant, tu peux décider parce que c'est ta décision aux yeux des hommes, c'est ta décision aux yeux du monde. Et c'est pour ça que plusieurs personnes souvent se posent la question, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce n'est pas une condamnation. Alors la Bible déclare que c'est la connaissance de Dieu qui libère. Cette connaissance, cette parole de Dieu, la connaissance, quand tu reçois ça, ça vient te libérer. Mais quand ça vient te libérer, maintenant, tu dois faire la bonne chose. Tu dois faire le bon chemin. Tu dois agir comme tu devrais agir. Et comme tu l'as si bien dit, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Vous savez, la folie, c'est de constamment faire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Je répète, la folie dans notre siècle, c'est de constamment faire les mêmes choses, poser les mêmes actions et espérer qu'il y aura un résultat différent. Pas du tout. Si tu continues à faire les mêmes choses, le résultat ne va jamais changer. De la même manière que si tu continues à te comporter en 2021 comme tu t'es comporté en 2020, je suis désolé, tu auras exactement la même année, tu auras exactement les mêmes problèmes, tu auras exactement les mêmes circonstances. Donc pour avoir quelque chose de différent, tu dois changer quelque chose. Et je crois que dans ce temps-ci, si tu veux avoir une puissance différente, l'onction différente, il est important que tu puisses obéir à Dieu et de pouvoir prendre ton baptême. Et donc le 31, tu auras justement un nouveau témoignage en te faisant baptiser à la grâce de Dieu. Et on a eu pas mal de témoignages quand même cette année. Les témoignages étaient glorieux. C'est vrai qu'en 2021, il fallait qu'on prenne le temps de faire venir les témoignages ici parce qu'il faut que les gens puissent voir. Parce que quand on ne voit pas, des fois, on se dit qu'il n'y a rien qui se passe. Mais on a eu tellement, je vous assure, on a eu une cinquantaine de témoignages des personnes qui sont sorties de la sorcellerie, des personnes qui sont sortis des problèmes, les personnes qui étaient attachées par leur famille, les liens générationnels qui ont été coupés, les personnes qu'on avait complètement envoûtées, les personnes qui on avait pris leur sagesse, on avait volé leur étoile, ils ont été complètement délivrés. Il y a eu des maladies incurables qui ont été complètement guéries, délivrées, des choses bizarres dans le corps qui ont été délivrées. On a déterré des choses, on a déterré des totems, déterré des trucs que les gens avaient enterrés dans le terrain de certaines personnes. On a brûlé, on a mis le feu. Ah, ça, c'est quand même fort, ça. J'ai déterré des trucs, bien aimé, Seigneur. Et on a mis le feu dessus. On t'a dit que c'est ton bracelet qui te protège. On t'a dit que c'est ce que tu as enterré dans ton terrain qui te protège. Alors rien du tout, rien de tout ça ne te protège. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de te protéger. Donc on a eu témoignage sur témoignage sur témoignage. Et je crois que Dieu est le Dieu de toutes circonstances. Et je crois que déjà le 31, on va avoir quelques-uns de ces. On a déjà à peu près une dizaine de personnes inscrites pour témoigner le 31. Mais la liste va certainement s'allonger. C'est pour ça que j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, tu as besoin d'un nouveau témoignage. Ne commence pas la nouvelle année comme 2020. 2020 doit être différent que 2021. C'est très important, mais pour que ce soit différent, tu dois changer quelque chose. Et quoi de plus qu'on peut changer à part notre cœur? Change ton cœur. Il est important pour toi de pouvoir changer ton cœur. Change la manière dont tu vis. Vous savez, moi, je suis contre l'évangile de la stagnation. Tu ne peux pas stagner. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu es à l'église depuis aussi longtemps et tu as exactement le même problème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas non plus d'accord avec les chrétiens qui viennent seulement à l'église le dimanche pour pouvoir assouvir leur conscience, pour calmer ta conscience. Tu as fini d'être méchant toute la semaine, maintenant tu viens à l'église adorer Dieu. Non, pas du tout. Tu dois changer ton cœur pour que les choses changent. Comment peux-tu prétendre, comment tu veux que Dieu te bénisse? Quand que tu es déjà méchant toute la semaine, tu es difficile toute la semaine, tu montres ton vrai visage toute la semaine et le dimanche à l'église tu viens chanter les louanges à Dieu. Pas du tout. En 2021, tu dois changer ça. Il y a quelque chose qui doit changer. Changeons quelque chose. Changeons nos cœurs. Et ça, c'est le cœur. On disait ça dimanche. Le changement premier, c'est le changement du cœur. Le changement du cœur. Et quand ton cœur va changer, ce que ta bouche dira aussi va changer. Parce que la Bible dit, la bouche parle dans l'abondance du cœur. Si tu as de la méchanceté dans le cœur, c'est la méchanceté qui va ressortir de ta bouche. Mais si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu,
C'est donc des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction qui sortiront de ta bouche. Et je prie que ceci soit ton partage à partir de maintenant et pour que l'année 2021 puisse commencer une année de gloire et de victoire pour toi. Merci. Alors, je viens vous bénir donc. N'oubliez pas, nous sommes dans le réveil des nations internationales. Nous ne croyons pas en une religion quelconque. L'amour. L'amour est notre religion. Oh, yes. Et je prône l'amour. Si le monde était dirigé par l'amour, il n'y aurait pas d'injustice. Mm-hmm. Si le monde était dirigé par l'amour, aucun enfant n'irait dormir affamé. Mm-hmm. Si le monde était dirigé par l'amour, il n'y aurait pas mm-hmm. de guerre. Mm-hmm. Il n'y aurait pas de vol. Il n'y aurait pas. On allait tous s'entraider. On allait tous s'aider. Yes. On allait s'aimer les uns les autres. Mm-hmm. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que les 10 commandements parlent réellement de l'amour. Mm-hmm. Dieu s'est réservé dans les 10 commandements. Il y en a 4 qui parlent de lui-même. Il y en a 6 qui parlent de son prochain. Yes. Mais tout ça résume l'amour. Mm-hmm. Alors nous ne croyons pas à la religion. L'amour est notre religion. Alors mm-hmm. tu veux voir. Viens, nous t'invitons déjà demain au culte de grâce. Amen. L'onction d'accélération aux 13 actes du gazon de Bourgogne à Petit Pérou, aux abîmes. Donc l'onction d'accélération vient recevoir cette onction avant le début de l'année. Je crois que Dieu va nous faire grâce. Amen. Je viens donc bénir cette île. Je bénis la Guadeloupe en tant que prophète majeur dans ce temps. Je bénis cette île de la Guadeloupe. Je bénis toutes les autorités de la Guadeloupe. Je bénis les personnes qui travaillent, tous les travailleurs, les infirmiers, les infirmières. Je viens vous bénir en cette fin d'année. Je viens déclarer que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je bénis tous les maires. Je bénis toutes les personnes, les policiers, la gendarmerie, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu vous donne encore plus de sagesse. Toutes les personnes qui prennent des décisions pour nous, je vous bénis. Je bénis le préfet, je bénis toutes les personnes dans les bureaux du gouvernement. Je vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis les Antilles. Je déclare que Dieu réellement descend. La Bible déclare que les îles entières espéreront l'éternel. Ça, c'est une promesse que Dieu l'a dit. Nous, en tant que des enfants des îles, nous devons espérer en notre Dieu, espérer en ce Dieu-là. Je viens donc bénir cette télévision. Cette année qui est assez achevée, ce n'était pas une année facile. J'aimerais bénir vos vies. J'aimerais déclarer que l'ennemi qui n'a pas pu vous avoir en 2020 ne vous aura pas en 2021. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise la paix dans vos vies. Je prophétise la paix dans vos cœurs. Je prophétise la paix dans vos familles. Que vos familles soient restaurées au nom de Jésus. La paix dans vos familles. Ou même avec vos enfants. La paix au nom puissant de Jésus. Je déclare la paix. Je déclare la paix, la paix, la paix dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toutes les personnes élevant en autorité dans cette île. Je viens vous bénir. On n'est pas seulement là pour vous critiquer. On vous bénit aussi. Je vous bénis. Je bénis vos familles. Je connais le stress qui s'apporte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens bénir tous les téléspectateurs. Vous avez été fidèles avec nous depuis justement le début de cette émission. Je viens bénir vos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce que vous avez pu faire, que Dieu se souvienne de vous. Que le Dieu du souvenir se souvienne de vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais vous déclarer que ceux qui vous attendaient derrière vont vous croiser devant. Ceux qui vous attendaient derrière vont vous croiser devant. Ceux qui pensaient que vous n'allez jamais vous relever, ils vont vous voir devant, ils vont vous voir relever. Il y a certaines personnes qui pensaient que vous allez finir, que vous allez mourir. Alors, ils ont essayé de vous tuer, mais vous n'arrivez pas à mourir. Je déclare qu'ils ne vont pas arriver à vous terrasser au nom puissant de Jésus. Je viens vous protéger. La Bible déclare que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Sauvé veut dire sozo. Je viens dire que crois au Seigneur Jésus, tu seras protégé, toi et toute ta famille. Tu seras élevé, toi et toute ta famille. Tu seras promu, toi et toute ta famille. Je viens donc bénir vos vies en tant que prophète de l'Éternel. Je bénis vos vies. Je bénis votre futur. Je bénis votre futur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que pendant que vous êtes au son de ma voix, pendant que vous entendez ma voix, que Dieu réellement fasse quelque chose de nouveau dans vos vies. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans vos cœurs. Que cette nouvelle année qui arrive soit réellement un changement radical dans le nom, un changement radical dans vos vies. Un changement radical dans votre entourage. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens éloigner de vous toute personne qui n'est pas là pour votre futur. J'éloigne de vous toute personne qui n'est pas là pour votre bien. J'éloigne de vous toute personne qui n'est pas là pour vous avancer. Je viens enlever de vos vies toute personne qui n'est pas là pour votre amélioration. Je l'enlève de vos vies au nom puissant de Jésus. J'appelle les aides de destinée dans vos vies. Je déclare et je décrète que toute personne qui est là pour vous élever, c'est cette personne-là qui vient dans vos vies. Ces personnes-là vont apparaître dans vos vies. Toutes ces personnes-là qui veulent seulement vous descendre, je viens chasser cette personne au nom puissant de Jésus. Je viens enlever tout cela qui a comme médisance, tout cela qui a comme malédiction sur vos vies. Je l'enlève au nom puissant de Jésus. Et je déclare et je décrète que 2021 sera une année pour vous de gloire, une année pour vous d'élévation, une année pour vous de prestance, une année pour vous d'excellence, une année pour vous de promotion en promotion, une année pour vous. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare que dans cette nouvelle année que nous sommes en train de rentrer, que Dieu peut vous montrer encore plus haut.
Et la dernière prière, c'est que je dis que Dieu va te prendre là où tu étais. Il te prépare et il te positionne là où tu dois aller au nom de Jésus. Dieu te prend là où tu étais dans la bassesse. Il te prépare et il te positionne. Plusieurs personnes, tu es en train de m'écouter. Dieu te prend là où tu étais. Il te malaxe et il te positionne. Plusieurs personnes seront positionnées. Je viens déclarer que tu seras positionné dans les grandeurs. Tu seras positionné dans le poste que tu n'as jamais forcément pensé avoir. Tu seras positionné dans ce travail. Tu seras positionné dans ton relationnel. Tu seras positionné dans ton mariage. Tu seras positionné dans tout ce que tu aspires. Tu seras positionné dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de pouvoir prier pour vous et de vous bénir à cette antenne télévision. J'aimerais donc vous dire que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous amène encore dans la hauteur. Une dernière parole, c'est l'homme de Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis en cette fin d'année et que le Seigneur puisse vous amener là où vous n'aurez jamais pensé. Mais faites ce que vous n'avez jamais fait si vous voulez voir ce que vous n'avez jamais vu. Soyez bénis en cette dernière émission de cette année 2020. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie pour moi en tant que votre serviteur, le pasteur Angel King. Je ne prêche pas parce qu'on me force à prêcher, parce que j'ai trouvé mon bonheur dans Dieu. J'ai trouvé mon bonheur dans cette joie de vivre avec le Seigneur. Ou de comprendre que c'est une joie pour moi de le servir. Vous savez, en fait, la religion, c'est un poisson dans une boîte, dans un bocal. Mais la spiritualité, c'est un poisson dans l'océan. Tu as besoin d'une spiritualité dans ta vie. Tu as besoin de croire en quelque chose. Et je te présente ce Dieu-là. Crois en lui, les choses seront complètement changées. Que Dieu vous bénisse. En tant que voici, on ne se voit pas. Je vous souhaite une excellente donc année. On se voit donc à la première émission de la première émission 2021. Mais sinon, pour les plus courageux, pour les acteurs, ceux qui vont changer quelque chose, on se voit demain à partir de 10h au 13 Actes du Gazon de Bourgogne, Petit Pérou. Les abîmes, ça va déménager et le 31 sera glorieux pour les baptisés. Pour ceux qui ont pris la décision de se baptiser, oh Dieu de gloire, le ciel sera ouvert pour vous. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très très bientôt.